Are you ready? I am ready. You are ready. Bonjour à tous les petits amis du YouTube, on est parti pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va donc jouer un petit paladin râle d'agonie la famille avec l'ami Luti Luti. Un paladin chasseur évidemment, bien un joué. Paladin. C'est vrai. Non, c'était avant paladin. Ça, ouais, ça. C'était il y a longtemps. Bon, c'était longtemps. C'est parti pour le nouveau chasseur. C'était il y a deux decklists, tu vois. C'était il y a deux decklists, c'était il y a au moins 10 minutes 25 hein, parce que voilà, on fait 3 vidéos en 10 minutes, en rendement évidemment. Du coup... Donc, chasseur, fin de la mort. Je cutterai les problèmes au montage. Qu'est-ce que c'était que ça? Quand la scarlette elle bug, parfois la scarlette elle bug. Voilà, tout simplement. Oh, on est trouvé contre monsieur V06. C'est le début de son numéro de téléphone. D'accord. Important. Logique. Donc, est-ce qu'on garde pas tout ça parce qu'il y a un truc énorme à faire? Si, clairement. Il y a Savannah qui est dans Barnes. Il y a Sneed. Y'a Sneed qui va arriver dans Bard Spec. Ok, j'ai trop envie de garder le fin dans la mort parce que. Ouh! Luti fait le mort. Il fait le moins bien le mort du monde. Il a faim la mort. Mario Cotillard. Moi j'ai faim quand je suis mort. Oh non, c'est un palais secret. Ah bon? Ça m'étonne tellement. Oh mais on est bien là. Oh mais on est tellement bien. Attends, c'est grand-mère. Into Piesa, into double fin dans la mort. Quoi? Je m'avais l'air choqué, t'es un enfant perdu. Bon, alors on va face. Avec la 2-1, quand même. Ok, trop bien. Donc c'est genre un venger, un truc comme ça. Et s'il trade pas, franchement, ce serait magnifique quoi. Ce serait merveilleux, mon pote. Bah, ça sent quand même le régiment de bataille trade la 2-1 avec la tête. Parle pas de choses comme ça, Luti. Tue-le! Peut-être que c'est revient à la vie en vrai. C'est peut-être vengé aussi. Hein. Ouais, on fait pièce Barnes, non? Oh non! Je crois qu'on fait Elec de tes morts. Non. Si, c'est bien. Ah ouais? Non? Bah, pièce Barnes, si tout. Ouais, vas-y, pièce Barnes, c'est bien. Il y a Sylvanas dedans. Oh, la Sylvanas! Ça fonctionne! Bon, on trade la 1. T'es sûr, même si vengé bah, il y est? En fait, le truc, c'est que si c'est vengé, du coup, il va jamais vouloir taper sur la Sylvanas avec sa 2-2. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup on va faire 2-2-2 pour 2 mana. 4-2-2 on peut. Ouais mais pour 2 mana je veux dire. C'est vrai. Donc il faut qu'on top deck la deuxième grand-mère là en fait. Comme ça on fait 2-2-2, une 3-2. J'avoue. Ce serait oufissime. Il va trade la 3-4, trade la 3-2? What? Ouais ça n'a pas de sens parce que c'est une bête. Oui d'accord. Ouais c'est peut-être ça le sens parce que ça a toujours pas de sens du coup. C'est pas terrible. Donc on fait Elec. Ouais Elec et fin de la mort je pense. C'est pas mal en vrai mais si la consécration on est sur Pluton en feu. Ah non, on est avertisseuse. Vas-y. On trade pas hein. Non bah non. À quoi bon respecter notre adversaire quand on peut. Bah surtout à quoi bon risquer qu'il ait hospice tu vois. Genre là j'étais moyen chaud. Mais après par contre j'aimerais bien qu'il ait pas consécration. Consécration. Ah c'est vraiment la consec de sa vie là tu vois. Une bonne carte face. Oh. Putain elle... hey, mais le crash vase il va lui rouler dessus. Bah pas trop parce qu'on va trade quand même je pense. Non, non. Ah non, j'avoue. Crash vase full face là. Ouais, vas-y. Bah ouais, mec, regarde combien on met de dégâts, on met tellement de tatanes. Et regarde, on a l'état de l'extinct quasiment. Ça marche de ouf, putain. Il est sur Pluton là. Ah, c'est ouf. Ah, c'est fini. Juste s'il avait consécration, il avait gagné. S'il l'avait pas, il avait perdu. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, en vrai, on avait tellement de dégâts sur le board. Ah, ça change rien. Ah, c'est fini. Ouais. C'est fini. Oh la rectance. Oh mon dieu! Allez! Il est vraiment bien ce deck. C'est débile. Encore une fois, j'ai envie d'arrêter la vidéo là, 100% direct. Ouais, non, mais attends. On va en faire quoi? Il a un peu de potentiel en plus. Genre, si on tombe sur un petit War Control, mon pote, oh là là. Tu crois qu'on lui roule dessus? Oh bah, je pense qu'il est sur Mars. Hein. Il est sur Mars. Il est sur Pluton, il est sur Mars. Est-ce qu'on va. Je suis vachement dans l'astrologie. C'est vrai, c'est vrai. L'astronomie du coup. Parce que t'as jamais dit, genre, putain, il est en Australie. Alors que c'est super loin. Ouais parce que c'est moins loin tu vois. Ouais mais c'est quand même le plus loin d'endroit de tous les endroits sur Terre. D'ici tu veux dire. De nous on est ouais. De la cave exactement. C'est une cave en Australie. Je sais pas si c'est pas la Nouvelle-Zélande ou... Non c'est... Bah oui c'est d'accord mais l'Australie... Ouais c'est à côté, c'est à côté mais... Shadow Mourne. J'espère juste que c'est pas Face Warrior tu vois, parce que là il va nous casser la gueule. Oh merci beaucoup Mike Blue pour le save. Il y a les alertes qui sont lancées, il s'est save donc... Bon bah yuki alors. Ok, alors, c'est pas mal en vrai. Ça c'est correct, il y a une légendaire. Ouais. T'aimes pas cette carte toi? Non j'aime pas trop. Pourquoi? Parce que c'est un peu faible je trouve. Moi je trouve que t'es raciste des insectes. C'est possible. C'est une princesse. J'ai jamais trop aimé les insectes.
En même temps, qui a vraiment genre kiffé les insectes, tu vois, genre, moi les insectes c'est grave mon trip. Putain, on se fait rouler dessus. Come on. C'est un délire, hein. Et d'ailleurs en fait on n'a pas parlé du fait qu'il y avait une petite carte qui était un peu improbable dedans, genre le tracker lugubre. Ah oui, c'est moi qui voulais vous montrer la synergie du futur avec +1/+1 sur toutes les cartes à Aralagonie dans votre main. Voilà, oula. Toute petite oula. La déclinaison, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Ok. Never offer. Franchement je tente, hein. Je fais comme ça et si c'est offer je suis content. Ça, on est pas mal encore. Bon, on a pas trop de râle d'agonie là. Et puis on a pas de tour 4 non plus. Je vois un petit Shredder là, un truc comme ça. On a joué Shredder ? Je sais pas. Y'a Shredder dans le deck ? Je crois qu'il y a Shredder dans le deck. Je pense que t'as intérêt à aller. Qu'il y a pas Shredder. Putain, non, t'as pas mis les Shredder, d'affuc. Bah, c'est pas très grave parce que en fait, on joue aussi un peu une synergie bête et donc on joue un loup contaminé. Donc c'est fine. Enfin, ça me dérange pas plus que ça, genre. Mais c'est pas bête de pas jouer Shredder ? Humour. Tu vois, après, il y a un moment où on avait un peu le choix entre Shredder et puis la 4-3 là qui donne plus un. Non, mais d'accord, mais tu vas pas tout remettre sur le mois, hein. C'est pas ma faute. Ouais, comme la fin dans le monde, tout le monde sait que c'est ouais. Ta bah faute. Ok, vas-y, on est parti. Le crash Vazounet. Bon, là, il y a des trucs à faire maintenant. Genre avec Sylvanas, tout ça, tout ça. T'as l'impression que c'est une réincarnation, mais est-ce que c'est mieux qu'une. Non, c'est moins bien qu'une réincarnation parce que la réincarnation ça le met full vie. Ça le soigne, ouais, c'est ça. Bah, par contre, ouais. Non, c'est un peu mieux si t'as un autre Aldagonie sur le board, quoi. Bon bah, go. On passe, hein. Sur le prochain tour, on fait de façon Ululan et... tous les jours, mec. On va lui voler tout son board. Ça va être trop si bien. Si il peut pas gérer, on va pouvoir proc deux fois la Sylvanas. Non, mais en plus, le truc, c'est qu'on va commencer par Ululan. Ouais. Ça va voler une créature avec Aldagonie. Ouais. Et donc, du coup, le fin dans la mort va aussi activer l'Aldagonie qui est volé. Putain, la vie est tellement belle. Ce serait incroyable, mec. T'imagines pour répondre il fait genre vas-y moi aussi je vais Sylvanas. Oh ça serait ouf. Parce que d'un petit coup la Sylvanas volerait forcément la dernière carte, on aurait tout. Oui. Oh mon dieu. Non fais pas, fais ça. Oh non là tue pas. Là tue pas, c'est la tranquille. Là tue pas, ça va bien se passer. Oh nice. Non, pas nice. C'est qu'est-ce que tu fais? Heurtoir. J'ai peur. Il va y face. Il va face. Oui. On lui vole tout. On lui vole tout. Jean-Michel. Jean-Michel volage. Il n'était pas prêt. Attends, il faut pas... comment on fait Oh là là. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir. C'est une technique stratégique exceptionnelle pour rendre les moments plus intenses. Eh, on est pas mieux là? Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Tu crois ou pas? Ouais, j'aime bien. Allez, on y va. Vole le Shredder d'abord. Voilà. Rip-up du Shredder bébé. Pas d'hospice. Et face. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Sans le mood ou pas? Oh mon dieu! Allez. Bonne journée! La vignette! Oh là là, la violence, mon pote, c'était un. On a trop bien, on a trop bien! Ouais, incroyable! Bisous, bon, on vous aime! J'espère que ça vous a plu! À la prochaine, les gars! À bientôt!